Bonjour, je m'appelle Richard Green, je suis le conseiller technique établissement et vie scolaire de la direction départementale des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne et je suis en charge du suivi des situations de harcèlement pour le département. Aujourd'hui, la lutte contre le harcèlement est l'une des priorités du ministère de l'Éducation nationale qui a déployé depuis cette rentrée 2021 un plan global qui permet à tous les établissements scolaires de France de mettre en œuvre des actions concrètes de traitement des situations de harcèlement. Et ce plan se décline à l'échelle départementale. Actuellement en Seine-et-Marne, tous les établissements scolaires et toutes les circonscriptions bénéficient du déploiement et de la formation des équipes. Nous sommes extrêmement attentifs à notre collaboration avec le conseil départemental de Seine-et-Marne qui met en place un grand plan d'action au sein des collèges. Et nous sommes extrêmement contents de cette collaboration. La lutte contre le harcèlement, c'est vraiment le travail de tous les adultes à chaque instant de la vie de l'établissement. On doit être attentif au bien-être des enfants et surtout faire en sorte qu'aucun enfant ne s'enferme dans une situation de détresse psychologique dont il hésiterait à parler et qui pourrait l'amener à des moments extrêmement difficiles à vivre. Donc vraiment, il faut que la parole se libère, que les enfants qui se sentent harcelés le disent à leurs parents ou à des adultes, et que les remontées puissent être faites afin que nous aidions véritablement les familles pour la résolution de ces questions.